bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on poursuit notre let's play de Rise of the Ronin. Allez, on va essayer d'avancer un petit peu. Et je pense qu'il faut passer par là, on va regarder. Ouais, c'est ça. J'avais des petites choses à faire ici. Un apothicaire, on s'en fout. Une bannière des lames secrètes, je pense qu'elle est déjà validée. Et une forge. Ah, j'irai peut-être à la forge. On va regarder ça. Il faut que je regarde au niveau des commandes si j'ai la possibilité de changer le bouton pour sprinter. Sprinter par défaut. Alors, grappin, garde, grappin, interagir. Non, non, on change pas la garde. Esquive et sprinter. Ben ça c'est bien, maintenir pour sprinter, donc sprinter et s'accroupir. C'est que s'accroupir. Et on aura sprinter, s'accroupir et esquiver ici. Très bien. Oh, on va modifier ça, c'est bien ça. Voilà, pour m'accomplir, il faudra que j'appuie une seule fois. Il loue notre... forgeron, il est là. HG. Alors... que vous faut-il? Bon, on va voir ce que t'as comme matos. Non, c'est une épée que je n'aime pas. Je peux tout renforcer. Eh oui. Autant plus je booste ça pour l'instant. J'en ai pas absolument besoin. Enfin, c'est pas que j'en ai pas absolument besoin, c'est que je me demande jusqu'à quel point ça me sert à quelque chose de le faire. De cette façon-là. En plus, non, c'est par là. Il y avait un fleuve ici, un courant d'eau. Et je vais au bon endroit ou pas moi? Je suis parti je ne sais où là. Encore. Est-ce que c'est... c'est juste là, là... et pas du tout! Bon, je me suis encore trompé comme ça. C'est ici, en centre-ville. C'est pas grave, on va juste s'occuper de l'ordre public ici. Alors, comment j'ai 100? Ah bah zéro, mais très bien ça! Pourtant c'est bizarre, l'ordre public il avait l'air d'être avant le village. Ah attends toi. Ouais, c'est pas joyeux cette histoire. Je vais me faire griller direct, moi je le sens. Ça se tente. Il est violent, cochon. Dégagez-vous. Ah. Extrêmement bien raté. Ah, une fois qu'il m'a grillé, il bouffe toute ma barre, quoi.
Alors il doit pas être tout seul, eh oui. Toi, je t'ai pas fait grand chose. Quoi? J'en vois un là, mais il y en a d'autres très certainement. Alors, est-ce qu'il y aurait des gens sur les toits? Ici non. J'ai besoin de ton aide. J'arrive. Alors, est-ce qu'il y a d'autres gars quelque part? Oui, de toute façon, il doit y en avoir puisque c'est pas encore libéré. On a un type qui marche là-bas. On va regarder cette zone. Ça serait toi là-bas? Ah, c'est le loup! Il doit pas y avoir que le loup, il y a le mec qui marche. Ah oui, il y a toi là-haut. On va aller dans cette pièce là. Y'a rien ici ? C'est fermé, étrange. Parce que là j'ai récupéré une clé aussi qui devrait me permettre d'ouvrir une porte, mais laquelle? Oh. Attends toi. Hop. Et voilà. Joli petit village là ouvert. Hey, vous là! Hey! Hey, hey, oh, hey, oh! Je sais pas. Tiens. Je suppose que vous avez vu un grand nombre de batailles. Je le vois dans vos yeux. Si vous avez un moment, j'aimerais vous parler. Je suis un intermédiaire. Et je cherche les services de Ronin comme vous. Est-ce que vous êtes en quête d'un travail, par hasard? Bon, la requête j'ai pas un truc à faire, provient du bureau du gouverneur. A priori, il y a un criminel très dangereux qu'il faudrait mettre hors d'état de nuire. Je m'en occupe. Bien. Occupez-vous de cela le plus vite possible. Et attention, l'homme est un combattant doué. Il a déjà tué un grand nombre de nos camarades. Je n'en doute pas. Ouais, c'est beaucoup plus simple là, maintenant. J'aurais dû faire ça dès le départ, moi. Petit changement de touche là.
c'est sur le charisme. C'est bon ça. Alors, déjà, on va regarder l'armure. Elle est moins puissante. Dommage. Défense en solo, ça c'est mieux. Hein. Beaucoup mieux. Redoutable à la guerre. Ouais, vraiment que je regarde nombre de pièces équipées de... D'accord, c'est ma paire de pompes. Je trouve d'autres redoutables à la guerre, il va falloir que je fasse. Maîtrise infaillible. Et des ennemis à 4 partenaires, rétablir. Ok. Alors, toc. C'est bon ça. Ça, il va falloir que j'aille les donner. Donc on récupère quand même pas mal de stats. Enfin de points de stats, j'en ai 9. Ça booste bien ma force. Alors, augmente le tac-tac. C'est point de compétence, dommage. C'était 3 et je crois qu'il m'en faut 4 ici. Efficacité pour augmenter les soins. Voilà, c'est ça. Ok. Bon, alors il serait où lui? Ah, il m'a confié une mission, mais il est où? Parti de ce côté là. Vraiment je fais mission après mission. Pas mal. Je suis pas du tout l'histoire globale mais c'est pas grave. Hein. Ça vient petit à petit, il y a tellement de choses à faire en fait. Et c'est tellement agréable de le faire. Parce que le jeu est très jouable quoi donc... Ah, bonjour.
Oui, bon. Extrêmement bien raté. Ah, les deux sont là. Ah, je crois que c'était l'archive. Vilain, tu vas mourir quand même. C'est très très beau ici aussi, hein. Alors le point déverrouillé est ici. Par contre, c'est vrai que tout est un peu toujours pareil. Je dois admettre que pour l'instant, on n'a pas vu d'endroit un peu différent, quoi. Le germe d'un doute, on va le faire tout de suite. Il est juste là, lui. 800 mètres ? On va aller faire le germe d'un doute. Non, remarquez, je peux TP. Non, je vais d'abord aller le finir l'autre. Ah, j'ai pas débloqué ça ? Mais quel boulet ! Et c'est tellement rapide, tellement jouable, que c'est un plaisir de faire des trucs même pas intéressants, quoi, en fait. Hein ? Alors, attendez. Je trouve, c'est quoi ça? Non, c'est juste une petite statuette. Je vais tout de suite débloquer le point d'accès qui est là. J'ai fini ta quête. Vous voilà. Je suppose que c'est fait. Ben oui. Facile. Eh bien, je n'ai jamais dit qu'il était solitaire, pas vrai? De plus, quelle utilité avez-vous si vous n'êtes pas capable d'affronter une bande? Allons, allons, calmez-vous. En guise d'excuse, je vais vous payer plus que prévu. Ouais, baisse-toi, oh. À présent, comment il me parle, lui? Une autre requête est arrivée du bureau du gouverneur. Cette fois, ils veulent qu'on s'occupe d'un policier. Vous vous en chargez? Excellent. D'après ce qu'on m'a dit, cet homme est une ordure. Kenshin Valor. Ne retenez pas vos coups parce que c'est un policier. Compris? Alors, il est où le point? Ça ne s'embête, ça. C'est pas ça que je cherche. Je cherche celui-ci. Je cherche l'endroit où TP. C'est là-haut alors ? Alors... Il va y avoir du grabuge encore.
et du grabuge. Alors il serait où lui ? Salut! Hey, salut! Désolé d'aller droit au but, mais c'est important. L'autre jour, j'ai reçu une lettre anonyme, me conviant à un duel. En des temps comme ceci, je doute que ce soit à la loyale. Mais si c'est un piège, il n'est pas très malin. Cela dit, j'ai besoin de savoir de qui il s'agit. Takasugi allait me prêter main forte, mais le shogunat nous surveille. Le clan Choshu ne peut pas se permettre d'avoir des relations louches. Ce qui me conduit à ma question, veux-tu venir avec moi ? Je sais que c'est beaucoup demandé, mais j'ai vraiment grand besoin de ton aide. Ah, bien sûr. À vrai dire, tu ne sais pas encore de quoi je suis capable. Je n'étais pas au meilleur de ma forme quand nous avons croisé le fer. En dépit des apparences, je me débrouille bien au sabre, tu sais. Tu auras du mal à me surclasser. C'est pas agressif ce que j'ai dit. La lettre indique un lieu et une heure. Nous partirons quand il sera temps. Tu viens avec moi ? Bien. Merci. Une fois encore. Très bien. Allons-y. Honnêtement, je pensais que tu ne viendrais pas. Après tout, ça n'a rien à voir avec la samouraï que tu chasses. Je vais ôter mon chapeau. Ah, ça n'a rien à voir, mais c'est important. Le look du personnage, c'est ce qui est le plus important. Et ça va pas se faire là, donc tout masqué, jauge des ennemis, non, ça c'est la TH. Ah ouais, le look dans ce genre de jeu, c'est ce qui est le plus important. Je suppose que tu as tes raisons. Par ici, attrapez-les ! Ah oui, d'accord. Ah, c'est lui qui fait tout quoi. C'est sûrement ce type là. Tu es prêt ? Ouais, je l'étais, mais... Ne perdons pas de temps. Battons-nous. Ah mais lâche-moi ! Tu fais tes potes avant, mais... Ouais, bien vu ça. Non, c'est quoi ça? Ah,
c'est vrai qu'ils étaient nombreux, mais quand même. Lui aussi, il est cool. Ah, c'était un beau combat. Je n'en attendais pas moins d'un individu assez audacieux pour se rebeller contre le shogunat. Je suis sûr et certain que nous nous reverrons. À t'écouter parler, tu n'es venu ici que pour évaluer ma valeur. Alors, que veux-tu faire de lui ? Je vois. Du reste, je suis d'accord. Tu es faible, Katsura. Ils avaient raison. Tous les yeux se tournent vers le clan Chōshū maintenant. Et pas seulement ceux du shogunat. Faisons-nous aussi accommodants que possible. Mais sa façon de manier le sabre... pourrait-il être du clan Satsuma ? Et vu sa dextérité, je crois qu'il est... Non. Je ne dois pas faire de suppositions. Ouais. Enfin, avec toi à nos côtés, je sais que nous pouvons affronter n'importe quoi. Mais pour être honnête, pendant un moment, je me suis demandé si tu me trahirais. Ah bah d'accord. Sympa. Oui, je suis désolé. Mais ceux qui offrent aux autres une confiance aveugle ne vivent pas longtemps dans notre monde. Pourtant, merci de ton aide. Ok, Kogoro Katsura. Très bien. Mission de plus. On récupère un arc. Des flèches, logique. Et on a terminé Chien Pèlerin, ce qui est extrêmement important. Alors ici on n'a rien d'autre. Au niveau de l'émission, on va les reprendre dans l'ordre. D'abord ici. Intermédiaire, on le fera plus tard. Quoique, on va d'abord regarder au niveau de la carte où est-ce qu'il est. Il est là. Un TP direct alors. Salut mon gars. Bienvenue. Pas quoi vous servez, vous. Ici, vous pouvez vous entraîner à planer. Ouais, c'est juste pour s'entraîner. Mais... non, j'ai pas envie. D'accord, revenez si vous changez d'avis. Alors, ça doit être par là. C'est ici, là, dans ce village. Enfin, dans ces maisons. On va s'approcher tout doucement. Ça t'apprendra à te rebeller contre ton seigneur. Quoi ? Enfer ! On nous a vu ! Tuez-le pour moi ! Allez ! T'as attaqué qui toi ? Wow, tu m'as touché là ? Ah, j'ai plus de barre. Extrêmement bien raté. Je vais changer d'arme. Ça marche du tonnerre, ça. Non, il vous aurait recruté pour. Ça marche du tonnerre, ça. 196 déjà, c'est sûr.
Ça fait mal ? ...224, c'est assez long aussi. Ça, c'est beaucoup trop... ...lent. Ils ont tué tout le monde, les boulets. C'est pas le coin très riche en plus, hein. Allons-y. J'ai quoi sur la route là ? Rien de spécial. On va faire un petit TP. Ah, vous revoilà. Ce policier était bien une ordure, n'est-ce pas ? Une ordure ! Eh bien, bon débarras. Certaines personnes méritent de mourir. Bon, la prochaine mission que j'ai pour vous sera la dernière. Il en a plein. Voyez-vous, je pense qu'il est grand temps que je me retire définitivement des affaires. Il s'agit d'éliminer un assassin qui terrorise les habitants de la région. Pour quelqu'un comme vous, c'est sûrement un jeu d'enfant. Non, ça serait chouette. J'apprécie. Vous avez des qualités, vous savez. Vous ne devriez pas être Ronin. Vous avez des qualités, vous savez. Vous n'êtes pas trop con. On y va direct, parce que je veux tester absolument cette lance. Et là où ? Où est loin ? Voici. Que je peux me faufiler comme un lâche. Oui, je peux. Si je vous tue maintenant, j'enfouirai la vérité en même temps que vos os. Ouais, donc c'était bien lui, hein. Prenez pas mal. Merci d'avoir pris la peine de tuer le policier. Mais si je veux étouffer cette affaire. Vous aussi, vous allez devoir disparaître. Ah, ça marche du tonnerre, les lances. Yeah.
Il est où? Ok. Bon bah ça c'est fait. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Je vais donc vous laisser, vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne et agréable journée, une bonne soirée, une bonne nuit, et puis je vous dirai à bientôt. Allez, au revoir. Ça latte bien la lance. Hein. Force, intelligence. C'est le nombre de balles de fusil et d'arc ou pas? Il n'y a pas marqué, je crois. Non. En appuyant sur L2. Ok. Ok. Allez, à bientôt.